Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur Final Cut Pro 10. On va voir aujourd'hui comment améliorer une voix off, une voix enregistrée notamment avec l'aide de la fenêtre ici enregistrement de voix off. Et vous savez que souvent dans les voix off, quand on enregistre très près du micro, on a un phénomène qui est un phénomène d'accentuation des sifflantes. Les S sont le fait qu'on se rapproche du micro, fait que les transitoires, l'effet de vent qu'il y a sur les sifflantes, fait qu'elles sont prédominantes, qu'on les entend plus fort que le reste des sifflantes. On va voir, c'est particulier. Criard au début de cette voix off, écoutez bien. Situé en Afrique de l'Ouest. Vous voyez comme elles ont été accentuées par la prise de son. Situé en Afrique de l'Ouest. Alors je voudrais les compresser un petit peu, ces sifflantes, sans bouger le reste trop. Donc le truc c'est de détecter les sifflantes et de les compresser. Comment on fait? Il y a un petit plug, il y a un petit filtre qui est dans Final Cut, mais qui est issu du logiciel Logic, qui est vraiment un logiciel de traitement de son professionnel d'Apple. Et on peut l'utiliser, il a été publié dans Final Cut Pro 10, donc c'est dans les effets audio, voix, Logic et Deezer. Regardez, je l'applique ici. Et vous allez voir que bon, on peut afficher les paramètres ici et ici de l'interface logique. On verra mieux ce qui se passe. Il y a des pré-réglages par défaut. Alors il y a notamment, regardez, une voix Rémi que j'ai enregistrée. C'est mon réglage à moi, mais là je ne vais pas vous le mettre. Je vais partir d'un pré-réglage, parce que vous ne l'avez pas. Je vais partir de Reduce Presence 02. Vous voyez, c'est un pré-réglage. Et si on regarde bien l'avant-après, vous rappelez qu'il y avait une sifflante au début située. Regardez. Située. Donc le « ce », il est au tout début ici, il attaque. Regardez les avant-après. Vous voyez l'effet déjà, on voit ici l'onde sonore, elle était là, et maintenant avec l'application du filtre Deezer, pouf, elle est descendue là. On peut encore améliorer ça, on va déjà écouter ce que ça donne pour voir. Situé en Afrique de l'Ouest. Alors qu'avant, rappelez-vous, c'était... Situé en Afrique de l'Ouest. Après. Situé avant. En Afrique de l'Ouest. Après. Situé en Afrique de l'Ouest. Vous voyez que c'est beaucoup moins présent. On peut encore améliorer un petit peu ça. Comment ? Avec la détection de fréquence. On peut détecter la fréquence sur laquelle sont situées mes sifflantes. Généralement, c'est vers les 10 000 Hz. Mais on va essayer de voir si on ne peut pas la trouver plus exactement. Comment ? Ici, en moniteur, en passant sur détection. Là, ça n'affiche ici que, a priori, nos sifflantes, ou ce qu'il y a autour des sifflantes. Regardez là. Et on va essayer, avec le détecteur fréquency, de trouver l'endroit où c'est le plus fort. Puisque ça représente les sifflantes, ça. Donc on va aller vers le bas, vous voyez que ça, hop, c'est pas du tout ça. Par contre ici, on commence à les détecter, vers 6000, 7000, oh là là, 7006, elles sont pas mal. Est-ce que j'ai mis au-dessus? Non, c'est vers 7006 que je suis le plus fort. Voilà, comme ça, ou non, 9007 ou 7006. 7006, ça descend et ça remonte ici à 9005. Je vais me mettre à 9005. Je ne vais pas trop toucher aux autres paramètres, sauf il y en a un que je vais toucher, c'est suppression ici. Suppression, ça veut dire de taux de compression un petit peu autour de cette fréquence. Et regardez, on écoute là, donc on se remet non plus sur détection, mais sur supprimer pour dire voilà, on comprime plutôt les sifflantes, et puis regardez là. Situé en Afrique de l'Ouest, la République. Alors qu'avant c'était. Dispose d'un accès maritime sur le golfe de Guinée. Vous voyez que ça a quand même aussi un peu changé la tonalité, c'est ça le problème. Donc il faut jouer sur le taux de compression pour trouver le bon compromis. Donc je vais me mettre en lecture permanente de la petite de début, ici. On situé ici sur... en Afrique de l'Ouest, la République. Situé en Afrique de l'Ouest. Et je vais jouer sur le taux. Situé en Afrique là, de l'Ouest. Là, vous voyez, ça ne joue pas là. Et là, ça joue à fond. Situé en Afrique de l'Ouest, la République. Je vais trouver entre les deux. En Afrique de l'Ouest, la République. Voilà, et là, je suis à peu près content. De l'Ouest, la République. Après, je peux m'amuser aussi à jouer sur la subfréquence pour trouver le meilleur son. Situé en Afrique de l'Ouest, la République. 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 Situé en Afrique de l'Ouest. Et là, ça me donne en même temps quelque chose qui permet de mettre ma voix en avant. Donc, regardez le avant-après. Je trouve que j'ai ajouté de la présence. Situé en Afrique de l'Ouest, la République de Guinée dispose d'un accès maritime sur le golfe de Guinée et des frontières avec 6 pays voisins. Sa première richesse se trouve dans son sous-sol avec un fort potentiel. Voilà, et moi je pense que là je suis à peu près bien réglé. Puis je peux aussi augmenter la sensibilité comme ça, on va voir ce que ça donne. Situé en Afrique de l'Ouest, la République encore une fois, de je fais Guinée le avant, dispose d'un accès maritime après. Sur le golfe de Guinée et des frontières avec 6 pays voisins. J'ai enlevé un peu de présence, mais j'ai surtout enlevé de la présence de mes sifflantes. Et c'est quand même pas plus mal comme ça. Sa première richesse se trouve dans son sous-sol avec un fort potentiel minier en...
Hein, les sifflantes sont quand même bien atténuées. Donc voilà, je pourrais le réenregistrer. Hein, si vous voulez, vous pouvez enregistrer le paramètre et vous le retrouverez ici. Voix, et vous mettez le nom à votre prénom. Et voilà, vous l'aurez ici. Si j'enregistre la voix d'une amie ou d'un copain, je mets voix machin, parce que je sais que ce sera ajusté à sa voix. Là, ça l'est à la mienne en tout cas. Je pourrais continuer à améliorer ma voix en mettant des compresseurs et en mettant des filtres. Mais ça, je verrai ça peut-être dans un autre tuto. En tout cas, pour le déhisseur, vous avez compris, j'espère, à quoi ça pouvait servir. Merci et à bientôt.